Moral. On voit vos tympans. Je vais vous céder. Il n'y a qu'un seul moyen de remettre la main sur de l'eau. Je, votre bien-aimé King Julian, dois simplement offrir un minuscule sacrifice à mes bons amis les dieux des eaux dans le volcan. Et il se passera quoi? Excellente question. Mon sacrifice est introduit dans le volcan. Ensuite, les gentils dieux grignotent amicalement mon sacrifice. Excellent, merci pour le bon sacrifice. Tenez, prenez encore du sacrifice. Non, je n'en ferai rien, j'en ai eu assez. Écoutez, je vais être affreusement vexé si vous n'en prenez pas. Mais je n'ai plus de place pour un autre sacrifice, ok? Mais enfin, vous êtes tout maigre. Bon, écoutez, ça suffit maintenant, j'en ai eu assez, hein? Les dieux avalent le sacrifice. Ils sont reconnaissants. Ils me donnent un peu de leur eau. Ensuite, je vous la redonne. Quoi? Et ça va marcher? Non. Enfin, oui! Va savoir, Maurice? C'est du 50-50. Excellent! Or donc, il me faut simplement quelqu'un qui aime aller dans les volcans pour se faire manger par des dieux. On lève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Je suis volontaire. Merman ? Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.